Vendre des produits digitaux en ligne, c'est vraiment le business le plus simple à commencer en 2024 avec lequel n'importe qui peut commencer n'importe quand. Personnellement, j'ai gagné plusieurs milliers d'euros grâce à ça au cours des 30 derniers jours et tout ça sans aucune publicité. Si tu restes avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, je vais te montrer l'intégralité du processus de la création du produit digital à sa vente. Cette vidéo, ça va être le guide ultime pour toi pour que tu puisses commencer à vendre tes produits digitaux dès aujourd'hui avec 0 euros. D'abord, pourquoi est-ce que tu devrais commencer à vendre des produits digitaux? Eh bien, le mot-clé ici, c'est le profit. Avec le dropshipping normal, mettons que tu vends une bougie à 49,95 €, eh bien, tu garderas 20 à 30% de marge en comptant le fournisseur, les coûts de livraison et les coûts cachés comme l'hébergement du site web, etc. Avec un produit digital, sans faire de pub et en créant ta propre communauté, eh bien, tu as 100% de marge. C'est-à-dire que si tu vends un produit digital à 49,95 €, eh bien, il y aura 49,95 € qui vont rentrer sur ton compte en banque. En plus, avec le dropshipping normal, tu as les retours clients, les problèmes de chaîne d'approvisionnement, etc. C'est vraiment une grosse galère. Les produits digitaux, c'est une livraison instantanée et c'est vraiment le modèle parfait pour générer des revenus passifs en 2024. Le deuxième point, c'est l'effet de levier. Le produit digitaux, tu le crées une seule fois et ensuite, tu peux le vendre 10 000, 20 000, 1 million de fois et ça va être pareil. Tu peux le vendre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Tu peux générer de l'argent pendant ton sommeil. Maintenant, quelle plateforme utiliser pour vendre les produits digitaux? Moi, personnellement, j'utilise Gumroad. Tu peux vraiment commencer avec 0 euros. Tu n'as aucun frais. C'est incroyable. Ça dépend du produit digital, mais je vous conseillerais personnellement de ne pas utiliser Shopify pour en vendre. Gumroad, c'est beaucoup mieux. En plus, au niveau du paiement, tu lis ton compte PayPal, tu lis ton IBAN et Gumroad s'occupe de t'envoyer les sous toutes les semaines, plus exactement tous les jeudis. Pour vous donner un exemple, moi, je vends sur Gumroad des modèles Notion. Récemment, j'ai lancé un produit à 47 €. C'est un peu un deuxième cerveau Notion qui peut traquer toutes tes habitudes, tous tes objectifs, tout ce que tu as à faire aujourd'hui. Et pour ce produit digital, je vais te montrer exactement comment je l'ai lancé et combien j'ai gagné avec jusqu'à présent. La première étape, c'est que tu ne peux pas lancer de produit sans demande. Comme j'avais déjà une petite base d'abonnés sur Instagram, TikTok et YouTube, j'ai simplement demandé à mes abonnés quels étaient leurs principaux problèmes lorsqu'ils fixaient leur objectif. Moi, je crois vraiment en l'idée de donner d'abord un produit gratuitement, de récupérer des emails et ensuite de créer sa propre newsletter, de donner beaucoup de valeur gratuitement et ensuite de lancer ton propre produit digital payant. En plus, ça te permet de construire des preuves sociales, tu auras des témoignages et donc les gens achèteront ton produit beaucoup plus facilement. Plus tu as de bonnes notes sur ton produit, plus tu peux augmenter le prix progressivement. Ensuite, quand tu as déjà donné plusieurs produits gratuitement, tu peux lancer un produit digital qui est directement payant. Moi, c'est ce que j'ai fait et en une semaine, j'ai vendu à peu près 15 produits à 47 €. Et bien, si on fait le calcul, ça fait environ 700 € de gains et de bénéfices puisqu'on a 100% de marge. Ne l'oublions pas. En soi, c'est pas une somme énormissime. N'oublions pas que le produit, je l'ai mis sur Gumroad il y a seulement une semaine et maintenant, je vais pouvoir le vendre à l'infini pendant plusieurs années. C'est pour ça que c'est vraiment la définition des revenus passifs parce que tu le construis une fois et ensuite, tu peux le vendre des millions de fois. Maintenant, la prochaine étape, ça va être de créer une audience parce que sans audience, c'est vrai qu'il va être assez difficile de vendre son produit digital. Mais heureusement, en 2024, c'est assez simple de construire une audience, que ce soit sur Instagram, TikTok ou YouTube Shorts. Moi, personnellement, pour construire une audience, je vous conseille vraiment Instagram. C'est vraiment la meilleure plateforme pour construire et fidéliser une audience, notamment grâce aux stories où vous pouvez créer une proximité avec le consommateur. Et avec seulement quelques centaines d'abonnés, tu peux commencer à faire tes premières ventes. Donc vraiment, la seule chose qui t'empêche de vendre des produits digitaux, c'est toi-même. Il faut vraiment que tu t'y mettes pendant un mois, deux mois, que tu commences à construire une audience, que tu lances ton premier produit digital gratuitement, que tu fasses ta newsletter, t'envoies des mails tous les jours, tu donnes de la valeur dans tes emails et ensuite, tu lances ton propre produit digital payant, tu récupères de la preuve sociale et au fur et à mesure que tu as des notes, des 4 et des 5 étoiles, tu peux augmenter le prix de ton produit. En apportant de la valeur à ton consommateur, tu vas te positionner comme un expert et il te fera beaucoup plus confiance. Un autre point extrêmement important, ça va être de ne pas faire que de vendre. Par exemple, sur Instagram, si tu postes 10 stories, fais-en seulement une où tu vends ton produit. Les gens détestent les pages qui ne font que vendre. Partage ta vie. Avant de demander quoi que ce soit, donne de la valeur, montre que tu es quelqu'un de confiance et ensuite, demande en retour. Si tu as aimé cette vidéo sur les produits digitaux, n'hésite pas à t'abonner et à liker, ça me fait super plaisir. Et si tu as d'autres questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, j'y répondrai sans faute. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo.